Bonjour à toutes et à tous, 7h22 ce matin et nous sommes en direct depuis l'autoroute A41. Nous sommes au sud d'Annecy, sur la commune de Chabanneaux, sur l'aire des Fontanelles à 560 mètres d'altitude. Et la neige tombe à 7h22, donc prudence sur les routes évidemment dans l'est de la France. On a vu qu'il a neigé cette nuit sur le massif central et qu'il neige actuellement sur la région annécienne jusqu'à à peu près 400 mètres d'altitude. Ici à 560 mètres d'altitude. Ça neige, vous voyez l'autoroute ici en direct entre Chambéry et Annecy. On voit bien que ça circule, on vient de voir passer les chasse-neige à l'instant même. Je me suis posé tout simplement ici sur l'aire des Fontanelles avec... oui, il passe maintenant les chasse-neige, vous voyez les chasse-neige qui passent maintenant ici. La route est tout à fait bonne, hein, il n'y a pas de souci particulier, mais enfin ça tombe pas mal. C'est de la neige qui était prévue d'ailleurs hein, et qui vient tomber actuellement, qui tient d'ailleurs un peu sur le sol, vous voyez ici. À 560 mètres d'altitude en direct à 7h23, on dit bien, en ce mercredi matin 28 mars 2024. Une température fraîche, bien évidemment, ici sur l'aire des Fontanelles où je me suis posé pour faire le direct ici. Et voilà, ben écoutez, ça tombe quelques... Enfin, ça tombe pas mal, hein. Donc ça tient un peu, alors, bon, ça tient un tout petit peu. On vient de montrer qu'effectivement, il y a une bonne circulation, ça circule bien. Pluie à Lyon depuis hier soir. Voilà, nous sommes en direct. On va se rendre direction France Bleu Pays de Savoie pour aller à Chambéry. La route devrait être bonne normalement et on va faire un direct à 8h25 sur France Bleu Pays de Savoie. Ça va être le direct sur, tiens, voilà, salut, le groupe Arcade là qui va travailler. Et du coup, direct à 8h25 sur France 3 Alpes et sur France Bleu Pays de Savoie, 8h25, je vais vous parler d'une page de la place du village. C'était à Albanette, du côté de la Maurienne, à Montrichet, Albane. En direct, donc, les camions, ici, hein, c'est une pause, on imagine, évidemment, pour un transporteur. La voiture, les voitures sont blanches ici, donc prudence. Alors, l'information, c'est en direct à 7h24, prudence sur l'axe, en gros, entre Genève, Annecy, Chambéry et Grenoble. La neige, elle tombe donc au-dessus de 400 mètres, elle tient au-dessus de 500 mètres. Nous sommes à 560 mètres ici. Température est particulièrement fraîche. Bonjour de la Sarthe, neige en Loire-Rhône également. Il neige également à Belley. Notre correspondant Claude Moulin vient de nous dire qu'il neige à Belley. Donc on va remontrer encore l'autoroute A41 entre Annecy et Chambéry qui passe juste là-bas en face. Vous voyez, on va zoomer un tout petit peu dessus en direct à 7h25. Donc ça circule, mais alors attention parce que si vous êtes juste au-dessus des, dans les villages qui sont au-dessus notamment de Grenoble, de Chambéry, d'Annecy et autour de Genève, au mon avis à 450 mètres ça tient. Vous voyez ici un convoi exceptionnel, il y a un peu de brume, hein, il y a un petit peu de brume sur mon écran ici, c'est normal, il y a des gouttes d'eau, je vais essayer de les enlever, voilà, comme ça ira mieux. En direct, donc direction ici, là-bas, c'est Chambéry. Donc on est sur un point assez haut de l'autoroute, hein, on dit bien. Mais le col des Vires en particulier, qui est encore plus haut, ça va être un peu compliqué. On vient de voir passer plusieurs chasse-neige sur l'autoroute ici. Donc en direct, actuellement à 7h25 ce matin. Donc pas de difficulté de circulation là où je suis. Alors attention un peu plus haut. Mais il faut savoir que cette neige est humide, elle tient bien. Elle colle un peu, voyez, on le voit bien ici, là, tiens, voilà. Un peu de la publicité pour la RIA, c'est même bonne route, voyez. Have a safe journey. Bon viaggio. C'est embarqué ici, bah, c'est ce qu'on vous souhaite également, évidemment. Allez, je vais prendre la voiture direction Chambéry, ce sera par là-bas au sud. Je pense que ça va bien rouler. Et puis, on va rejoindre l'équipe de la matinale dans un instant pour, arriver et faire le direct dans une heure pile poil. On sera en direct sur France Bleu, Pays de Savoie et sur France 3 Alpes pour une rubrique, la place du village, comme tous les matins, évidemment. Et cette rubrique, ça sera sur Albanette, un petit village. J'en parlerai plus tout à l'heure, hein. Je pourrais en dire plus pour l'instant. Un joli petit village qui est situé à 1440 mètres d'altitude en Maurienne. Regardez-moi ça. Voilà. Bah, écoutez, c'est les neiges de coucou, la neige de printemps. Donc, prudence, évidemment, c'est le mot d'ordre. Je vais marquer sur mon commentaire. Bonjour du Puy-en-Velay. Il y a de la neige depuis de 22 heures, hein. Voilà. Donc, la Haute-Loire était en orange. La Loire également en violet orange. L'Isère également. Pas la Haute-Savoie, mais attention, hein. Là, ça tombe pas mal, hein, je dois vous le dire, ici en direct à 7h27. Donc, vous voyez, c'est l'heure de pointe en plus de la circulation. Ça monte en puissance. On a nos amis frontaliers qui vont travailler actuellement les voies qui vont direction Genève pour ceux qui montent à gauche. Il commence à neiger dans le Haut-Val d'Arly, Philippe. Hein, bientôt après pour la caméra, parce qu'après, je te passe l'orlais. Moi, je serai en direct sur... au studio donc de France Bleu tout à l'heure et de France 3 Alpes évidemment sur la liaison télévision. Alors regardez-moi ça, ici ça c'est la pause, hein, c'est l'endroit où on peut se faire ces petites pauses.
Quand on est sur l'autoroute, voilà, il y a quasiment de quoi pique-niquer ici, on est pas mal. Et ben là, comme ça, je vous montre ce qu'il en est. Je suis à l'abri cette fois-ci, en direct à 7h27, je dis bien ici, avec la neige qui tient. Alors, il y a beaucoup d'herbe, elle tient un petit peu. Il y a déjà un petit centimètre, hein, voilà, enfin, à peine, on même pas, enfin bon. Voilà. Eh bien, écoutez, c'était l'information du jour, direct à suivre, évidemment, tout à l'heure, direct à suivre. Dans un instant sur France Bleu Pays de Savoie, et puis on va aller doucement, et puis on va se rendre tout doucement sur Chambéry, et je pense que ça doit circuler à peu près. Mais là, il faut faire attention, on dit bien, c'est pas tellement sur l'autoroute, hein. J'ai vu des neigeuses qui passaient, on les voit d'ailleurs là-bas, on voit qu'ils travaillent également là-bas, donc il n'y a pas de souci, il faudrait voir peut-être le col des Vires un peu plus haut, à 600 mètres, comment ça passe, et puis surtout ces petits villages qui sont autour d'Annecy, là-haut, c'est quand même un petit peu compliqué pour circuler, j'imagine, parce que j'ai vu que la neige tenait à l'instant même, hein, je dis bien, à plus de 500 mètres, ici, on est à 560 mètres sur un petit point d'autoroute. Merci d'avoir suivi. Il neige également du côté de Crémieux. Sérieux, c'est le printemps. Eh ben oui, c'est le printemps, mais on est encore à Pâques, hein, et on connaît bien le dicton. Alors, on ne sait pas ce qu'il va faire à Pâques, mais on a l'impression qu'on va y passer au tison à Pâques. Voilà, allez, j'y vais. Ma voiture est garée ici, vous voyez, elle blanchit un tout petit peu. Donc c'était prévu, elle est arrivée, c'est de la neige humide, et ça va pas durer bien longtemps, l'après-midi ça ira mieux, mais en tout cas pour l'instant, c'est coton sur les routes, en particulier au-dessus de 500 mètres, dans toute la région Rhône-Alpes, pour moi-même là-bas, ouais, là-bas on y voit bien, parce que on a du vent en plus, hein, si vous regardez bien, il y a un vent, cette espèce de, voilà, écoutez, France Bleu Pays de Savoie, ils pourront en savoir plus sur elle. Alors oui, effectivement, on va préciser que nos amis de France Bleu sont en direct depuis ce matin, 6h, hein, avec Laurent Pascal et ses équipes, eh bien, n'hésitez pas à vous rendre sur la radio France Bleu Pays de Savoie. Nous, c'est un simple pied direct ici, mais eux, ils sont non-stop depuis ce matin. Ils vous donnent exactement les positions de blocage, de difficultés et d'enneigement, évidemment. On les salue au passage. Enfin, un gros travail ici. La neige continue de tomber. Et voilà, bah, c'est pas non plus rare, hein, de voir neiger au mois de mars, mais voilà, c'est sûr qu'on a eu tellement doux hier. On avait quand même 19 degrés. Faut quand même pas se tromper. Et que là, on est passé tout d'un coup à, on va dire, 1 ou 2 degrés, on n'a pas beaucoup plus, et c'est une neige lourde, humide, vous voyez, elle tombe ici avec des, bon, c'est une neige très humide, hein. Mais un peu plus haut, hein, j'étais passé un peu plus là-bas, au-dessus d'Anne-Sylvieux, ça tenait pas mal, j'ai eu des véhicules avec 3 cm de neige, sur François-Alpes aussi, Philippe a raison, bonjour de l'Allemagne, soleil est 3 degrés, bonne journée, voilà, bonjour à toutes et à ceux qui m'ont regardé ce matin, et belle journée, soyez prudents, quoi, c'est le direct, et puis n'hésitez pas à dire à vos camarades, qui prennent la route ce matin, soyez prudents, puisque là où nous sommes, en direct, on va vous montrer là-bas le paysage. Regardez-moi ça, derrière l'autoroute, ici, on a les villages de Chavanneau, la neige tombe, et on a les fermes qui se perdent dans le blanc de la neige. C'est un petit goût d'hiver, ça va pas durer longtemps. Oui, c'est normal, Arnaud a raison, hein, c'est normal, à cette époque, on a déjà vu ça, on a vu pire, on a vu la neige au mois d'avril, ici, on a même vu au mois de mai, figurez-vous. Voilà, donc les transporteurs sont là, alors ça se passe pas mal, et on a bien vu, c'est prudent aussi. Pour certains sont arrêtés là. C'est la pause ici, la pause du matin. Bonjour, pluie en Bresse à Sainte-Rivière-de-Courte, Bernard. Merci de l'information. Vous voyez, parce qu'il pleut aussi en dessous. Parce que là, il neige, mais il pleut. Il peut voir probablement du côté d'Aix-les-Bains, du côté de Chambéry. Mais pour l'instant, là où nous sommes, un peu plus haut. Bon, j'y vais parce que le temps de prendre la route tout doucement. Belle journée à vous toutes et tous. Soyez encore prudents. Puis, ma foi, à tout bientôt. Merci de nous avoir suivi. Il y aura un direct à l'heure. Mon frère jumeau, il sera dans la neige. Lui, il va vous en montrer encore plus, puisqu'il vient plus haut là-haut. Hein. Voilà. Merci. Pensez qu'à Combloux, Pascal. Tiens, ça n'a pas tardé de neiger à Combloux, normalement. Hein. Ça va se décaler vers l'est, hein, cette neige qui tombe sur l'ouest du département de la Haute-Savoie. Et elle va remonter un peu en altitude. Il va neiger peut-être à 1000 mètres dans l'est, mais dans l'ouest, ça tombe bien bas. Il neige à Belay. Claude Moulin me l'a dit. C'est notre correspondant spécifique sur Belay. A tout bientôt, merci de nous avoir suivis. Au revoir, je suis trompé. Hein. Bye bye.